This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space. Tout le monde, ou presque, a vu ce reportage de la BBC montrant comment dans le vide, deux corps tombent à la même vitesse. Dans le vide, les plumes ne sont plus ralenties par l'atmosphère. Voici la séquence originale qu'a vu Valdec. 4, cameras on, 2, 1, release. Exact. Release. Le début de la chute des deux corps est donc parfaitement synchronisé. Mais Valdec a volontairement choisi d'oublier cette séquence. Et voilà. Comment c'est possible, hein? Il y a un monsieur. Oups. Oups. Stop. Et voilà. Encore une fois. Je l'ai fait et vous verrez que la bulle accélère par rapport de plumes. Hein. Ça me faisait rire. Hein. Encore une fois, regardez. Vous voyez ce moment-là? Attention, ça va démarrer. 1, 2, 3. Regardez l'accélération de la bulle. Hop! Ah, moi, je suis mort de rire quand je vois ça. Hein. Pour répondre, la boule accélère. Attends. Vas-y. Ça coupe. Regardez la suite. Attends. Voilà, regardez. La boule est beaucoup plus bas que le début de la plume. Hein, ici, à 4 minutes 16. Donc, on va accélérer un petit peu. Et regardez. Et là, et au début. Hein, à 4 minutes 17. En une seconde, hein, les plumes, ils ont attrapé la... Ah, c'est à mourir de rire. En une seconde, tu vois, sur 2 mètres, les plumes ont attrapé, tu vois, la distance. Hein. Et regardez la suite. Oups, et regardez ici. Encore, les plumes accélèrent. Waouh! Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon, leur merdier! Laisse-la rouler ta vidéo! Hop! Voilà, regardez, hop, paf! Excellent, bam, 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 bam! Et regardez, et là, de nouveau, j'arrête et ils sont nickel. Hein. Donc, à la fin, regardez, ils sont à la même hauteur, hein, au bout de quelques mètres. Mais au début, je vais vous dire, regardez encore une fois. 1, 2, 3, 4, on les lâche, hop, et voyez la boule, comme elle a bien accéléré. Ah, ça me fait rire. C'est le monteur de la BBC qui s'est planté, on le voit très bien, puisque la deuxième chute a lieu dans l'atmosphère. Le bout des plumes se redresse lors de la chute. Yeah.